Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le cinquième et dernier sorti journal créole pour ce maintenant. Mais quelques principales informations, nous parlons pour nous développer pour assurer dans ce journal là. Parti haïtien tête calée, PHTK, dit pas en faveur création une commission vérification concernant dernière élection. Dirigeant parti a déclaré, président privé a pas aucune provision légale pour le mettre campé une commission comme ça. Réorganiser ministère justice qui pas gain une loi qui régler fonctionnement avec bataille contre détention préventive prolongée fait partie priorité ministère justice là pendant ce temps la passé dans tête ministère. Camille Junior Edouard informé tout ministère a gain plus passé 2 millions de gouttes dette pour quelques institutions dans l'état. Dans objectif pour faciliter couyo reprendre dans université l'état, syndicat personnel administratif l'a annoncé yo campé sous mouvement grève qui était entamé depuis 18 janvier 2016 passé à qui visait mander intégration yo dans conseil université à ak pi bon condition travail. Développement tit sa yo ak lot encore c'est après pause. Racontez-nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Ah hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain à qui on paye. Client, pas de monnaie de goutte et demi, pour une tissurette pour passer dans bouche là. Chérie amour. C'est pas l'argent, mais monnaie en pièce c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'es passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour. C'est monnaie en pièce ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, vous avez toujours payé sans que vous payiez, sans que vous ni mettez. Banque centrale de monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good, ak 5 good. Mande banque pour la, pas ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas de prix à nommer aucune banque. Parce que banque centrale baille toute banque monnaie. Oh, à pas de coucher. Comment Dani, ou pas prendre la VCT pour aller payer assurance machine moi hein? C'est où qui fait me prendre convention ça hier soir? Dani, c'est avec machine ou on m'a sorti jeudi, vous entendez? C'est comme comment prendre la VCT? Dani, c'est où qui en congé? C'est où qui est temps pour aller renouveler l'assurance là? Mouah! En tout cas, chérie, m'allez. Ou besoin régler les affaires assurance machine ou lit, pas vrai? Mon pack à déplacer pour aller en AVCT? Pas besoin de tout problème. Montez tout nier sur www.oavct.gouv.ht pour renouveler assurance ou sur site internet là. Et ou ka fait diverses autres transactions. Tant que mandé OAVCT, une fait expertise la caille. Et pour petit chouchou en plus, livraison nouveau fiche assurance là, ka fait la caille. Service la facile. Elle est disponible pour tout monde qui gagne une carte Visa ou son Mastercard. Jean mal paye assurance là. Oh, merci chérie. Mouah, c'est celle qui fait que madame est content comme ça. Au AVCT, pibri la caillou pour avoir un bon service. Eh bien, maintenant, quand avance, on va payer pour compte, non? Une autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes, mes journal là en détail. Président provisoire Jocelyn Privert n'a pas gain aucune provision légale pour mettre campé une commission vérification électorale. C'est position dirigeant parti haïtien tête calée. Pour responsable politique dans PHTK, Guichard Doré, c'est temps président Privert a fait passer l'aile annoncée création commission. L'étonne micro Ludmia Mac avec Jasmine Denis.
On a lu le rapport qui a été soumis au président de la République. Pas nulle part, aucun côté dans l'accord là qui dit, dans le document de la commission de Rochta, qui dit que pour faire un approfondissement de travail technique. Ça n'est pas vrai du tout. Par contre, côté président, il y a un document ça. Si son document lui-même, il a rédigé, comme il est un bon rédacteur, et si c'est lui-même rédigé, nulle part dans le document qui a été remis au président de la République par la commission de M. De Roche, il n'a pas demandé pour te faire poursuivre, pour poursuivre avec processus et recommandations sous élection. Donc, le président privé a gagné deux objectifs. Dans un premier temps, créer temps, rendre dysfonctionnel le Sénat de la République, de telle sorte que les chambres députées allaient en vacances pour ne pas retourner dans le Parlement. Aucun monde, aucun, y compris le président privé, y compris M. Enek Jean-Charles, pas qu'à mettre en commission sous pied. Il n'y a pas de provision pour ça. D'ailleurs, c'est un problème grave pour le fondement de notre système politique. Au président de la République, Chita n'a pas le national, pour la fond commission. D'ailleurs, le président a déjà dit que lui-même, cabinet, il a travaillé sous thème de référence. C'est-à-dire que c'est sa commission électorale. Donc, nous-mêmes, nous disons, un, pas de commission. Nous attachés de façon stricte à l'accord du 5 février. Si le président connaît, la il faut des ordres dans le pays, et bien PHTK a campé politiquement sur ça. Rudy Erivo, qui a joué le porte-parole PHTK, mandé conseil électoral provisoire, publié dans un délai qui n'est pas trop long, calendrier deuxième tour élection présidentielle là, entre candidat PHTK Jovenel Moïse et puis candidat la PA Jude Célestin. L'été dans le micro Ludmilla Marc et Jasmine Denis. Je ne veux dire pas qu'il y a route pas bois. Au niveau du CEP, il y a un CEP qui est en place. Il y a un seul bagage pour le faire. Publier rapidement un calendrier électoral, côté la parole dit clairement, dans telle date, élection a fait. Deuxième tour présidentiel, yo. Entre M. Jovenel Moïse et Jude Célestin, ensuite compléter législative, et puis faire élection et municipale, et ça qui pas de contestation, puis publier résultat, et puis élection locale, Kazek, Azek, délégué de ville. Point barre. Pas de aucun autre bagaille encore que CEP a fait dans le moment ça. L'autre bagaille que nous avons dit, c'est que nous autres au niveau du PHTK, nous avons occasion ça pour me saluer courage, conviction, détermination. Tout militant, tout partisan, sympathisant, PHTK, Jovenel Moïse, tête calée, n'a pas dû être mobilisé pacifiquement parce que de toute façon, la vérité et la justice des urnes a pas le pour triompher le moment venu. C'est-à-dire dans le deuxième tour, élection yo cap une fête là. L'autre nouvelle, ministre Commerce et Industrie a visité Jodia, chantier construction, nouveau local ministère ça qui n'a rien légitime dans Port-au-Prince. Occasion pour Jessie Petit Frère informer sur qui Jean travaille avancé. Cependant, pour responsable bâtiment public là dans UCLBP Hervé Pierre-Louis, édifice parasismique ça qui gagne 8 étages a fait face pour Kounia avec problème financement. Yoté dans micro Michel Alexis et Yvon Seyde. D'un beau bâtiment qui va bientôt abriter et nous espérons vraiment très bientôt abriter le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et sans nul doute, c'est un projet qui a consenti de lourds investissements de la part de l'État haïtien, malgré ses maigres ressources. Mais aussi, je veux dire, c'est un projet qui a requis des efforts considérables de nos prédécesseurs. Et c'est donc un acquis pour Haïti, un acquis pour le ministère du Commerce, et aussi un acquis pour les employés qui sont compétents et disposés et disponibles à produire et aussi à obtenir des résultats probants. Alors ce que nous allons faire, nous autres, et de commun accord et en synergie, c'est de concilier ce geste architectural avec le développement du secteur privé et le développement durable d'Haïti. Nous avons environ 85-90%. Ce qui arrive, c'est que nous avons un problème de financement. Nous avons quelques mois que nous n'avons pas payé un tourbus avec l'exécutif. Nous avons une dette pour un tourbus là. C'est ça qui va chanter à très au ralenti, ou presque pas de travail. Mais je pense qu'une fois que nous avons moyen pour nous financer cette partie, un mois et demi, deux mois, parce que je finis totalement. Moi, c'est Hervé Pierre-Louis. Merci. Responsable bâtiment public au niveau de l'UCLBP. Merci. Je vous en prie. Réorganisation ministère justice qui pague une loi qui régle le fonctionnement, renforcement PNH là, à question détention préventive prolongée à, fait partie principale priorité ministre justice là pendant le temps la passé dans tête ministère.
Camille Junior Edouard fait qu'on ait une disposition qui déjà commencé prendre pour combattre détention préventive prolongée. Sous plus passé 11 000 prisonniers qui sont en prison, il y a 4 078 qui ne peuvent jamais passer devant Jijio, d'après le ministre de la Justice. Il était dans le micro Yvon Seyd. Au pénitencier national, seulement, nous avons 4 655 détenus, dont seulement 564 condamnés. Donc, 88% de la population carcérale en Haïti participe et forme ce qu'on appelle le lot de ceux qui sont en détention préventive prolongée. Je dois vous dire que c'est une préoccupation majeure et dès mon arrivée ici avec le nouveau commissaire du gouvernement à qui j'ai donné instruction de prendre toutes les mesures dans le respect de la loi, dans les dispositions procédurales en vue de répondre à ce problème majeur. Évidemment, c'est un problème que j'hérite, qui était avant moi. Je m'engage avec les moyens au niveau du ministère que je peux trouver et pour répondre à cette préoccupation. Ça passera et par des task force. Et au moment où nous parlons, je vous annonce qu'il y a des assises et le commissaire, avec les il y a toute une disposition prise en vue d'écouter au pénitencier même des détenus et prendre les décisions que de droit et en vue de répondre à cette préoccupation. Faut nous souligner, le ministre de la Justice l'a déclaré, les jeunes ministères ont plus passé 200 millions de gouttes comme dette. Dans dette ça, le ministère a deux académies de police là, 30 millions de gouttes. L'autre nouvelle, réduction violence avec 6 pas pour réintégrer les prisonniers dans la société. C'est non, il y a un projet formation professionnelle ONG Terre des Hommes avec MINUSTA lancé dans la prison civile Croix des Bouquets hier jeudi. Il y a un programme qui visait à prendre les prisonniers au métier pendant qu'ils pigé peine. Reportage Pierre-Louis Revanche avec Samus David François. À travers projet ça, MINUSTA, direction administration pénitentiaire en tête collée à Claude Patneyo, voulait permettre prisonniers qui dans prison civile Croix des Bouquets gagner un métier dans main yo, là au saut dans prison, ça capable yo puis bien intégrer société ya. Dans cadre programme ça, prisonniers a capable apprendre 5 disciplines parmi yo informatique et plomberie. C'est ONG Terre des Hommes Italie cap assurer exécution projet si là. En plus formation li offri yo, projet ça équipe té non réduction violence ak support pour réinsertion détenu yo, prévoit bayon assistance psychosociale ak prisonnier yo. Ça cap aider yo pi bien traverser étape difficile ça dans existence yo. Dans sens ça, directeur DAPA mandé bénéficiaire yo profiter opportunité yo joindre à travers programme ça. Programme ça a ban nous outils pour nous ka retourner dans société avec l'espoir que nous sommes servis et que nous devons servir positivement. Représentant MINUSTA salue l'initiative là. Il a attiré l'attention des autorités dans l'État sur divers problèmes qui ont bouleversé toute sa détention dans le pays. Il prend comme exemple l'incapacité de prison pour bailler, manger comme ça doit avec les prisonniers. C'est responsabilité du gouvernement pour traiter prisonniers, Jean ça doit être fait considérant les normes internationales. Pas capable de ramasser, mettez-vous en prison et puis pas occuper. Faut que nous rappelons même projet ça existait dans plusieurs autres prisons dans le pays. Objectif là, c'est diminuer la violence dans la société et puis éviter de retomber dans la même situation. Nous avons arrivé dans l'Université l'État, côté syndicat personnel administratif Université l'État, annoncé en trêve. Dans le mouvement grève l'été lancé depuis 18 janvier 2016 là, pour exiger l'intégration dans le conseil universitaire avec plus bonnes conditions de travail. Porte-parole syndicat Elange Donatien expliquait décision sa prendre en objectif pour faciliter couillot reprendre dans l'université. L'été dans le micro Ludmia Marc avec David François. Par rapport avec incapacité, irresponsabilité, responsable université, je dis, n'a annoncé avec la population que, je dis, à partir de minuit, n'a annoncé un retrait dans la grève là, qui pour permettre que
kouyo yo reprendre dans tête université a. Et n'a profité également pour annoncer trois acteurs sa yo, étudiants, personnel, professeurs, gagner une feuille de route que yo préparé et élaboré ensemble pour remettre avec un conseil de transitoire qui pral entreprendre des marches pour organiser élection dans tête université a qui pour permettre que yo pral répondre avec ensemble de revendications personnel administratif là, revendications également étudiants yo et revendications aussi personnel administratif et professeur. Faut nous dit sénateur la Tibonite la Karl Murakantav demandé pour gain entente qui joigne pressé entre rectorat université l'état et puis étudiants yo qui en grève depuis dans mois janvier 2016, l'école pas normal pour université a passé tout temps ça dans crise là. Il était dans micro Pierre Luni Revanche avec Yvon Seyd. Faut rencontrer avec les étudiants qui occupaient espace rectoral là et dans rencontre ça nous sont bien avec yo, yo dit que manifester volonté yo pour que justement gagner réouverture classe au plus tard la semaine prochaine. Mais je pense que vous manifestez volonté tout pour que vous une solution négociée qui joigne. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons joué le rôle de médiateur dans la commission éducation pour que nous rassemblions les partis, nous jouions en consensus entre les partis pour que vous négociez pour que justement nous arrivions à résoudre le problème. Non. Et je vous en pinga, par le conseil universitaire là, ou particulièrement par le conseil exécutif de l'université. Moi pas voulu à aucun moment pour que la force répressive rentre dans l'espace rectoral là puis elle déguerpit étudiants qui là parce que il dit dans un article de la constitution que l'espace universitaire est inviolable et me voulait pour être inviolable. Ça a plus passé deux semaines depuis médecins résidents yo en grève dans l'hôpital général pour protester contre agression yo employé l'hôpital là sou youn la dan yo et puis exiger plus bon conditions de travail. Yon situation qui attiré attention président commission Sénat République là Karl Murakantav qui souhaitait responsable transférer employé qui agressé médecin yon manière pour permettre l'hôpital là fonctionner comme ça doit. L'dynamique Pierre Luni Revanche avec Yvon Seyd. Sous crise structurelle ça l'hôpital général gain aux crises, je dirais, gain aux conjoncturelles qui a ajouté sur lui. Nous voyons que des résidents qui en grève, l'hôpital a fermé depuis trois semaines. Il n'y a pas de dispensation de soins. Il n'y a pas de prestation de services. Petit peuple a mouru de Yoa. Moi, pas qu'à accepter ça en tant que président de la commission santé, en tant que médecin et en tant que sénateur de la République. Eh bien, moi, je pense que cette situation ça, qui arrivait à provoquer grève là, c'est un administrateur qui giflait aux résidents et l'autre résident, pense, sous la solidarité, il mettait tête avec un résident qui a giflé puis a fermé l'hôpital là. Nous demandons que yo transférer immédiatement l'administrateur ça qui dépassait les bornes parce que ce n'est pas normal, c'est démoralisant que on moun bay on l'autre on gifle. Nous connaissons la culture, nous ça on calotte signifie. Donc nous demandons sans perd du temps pour le ministère la prendre disposition puis au transférer administrateur pour que l'hôpital là commence. Zeno Live dans tête collée avec une compagnie téléphone dans pays a lancé 7 avril passé à concours animateur émission yo à travers internet qui porte nom Haitian Talk Radio Star. Concours ça permet deux institutions yo découvrir nouveaux talents dans monde médiatique là d'après responsable marketing Zeno Live là. Cyrine Saint-Issi, Tenamiko Ludmia Mac avec Jasmine Denis. Nous avons lancé ZenoLive. Donc ZenoLive, c'est une plateforme interactive donc, qui permet d'avoir son émission. Donc, qui permet à vous, à moi, à n'importe qui, d'avoir sa propre émission à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur et d'une bonne connexion Internet. Donc, la possibilité à n'importe quel moment de l'heure, de la journée, à n'importe quel jour de la semaine, d'avoir son émission. C'est très simple. Alors, qui va écouter cette émission? Il y a une possibilité. Donc, on offre aussi un site, donc on offre aussi un media player. Donc les gens peuvent mettre sur leur site internet ou sur une page web avec un media player ou les gens donc de la diaspora, donc ça peut être la famille, les amis, donc, d'où l'intérêt de partager dans les réseaux sociaux. On a lancé ZenoLive et on a un partenariat assez important avec Digicel. Donc on a une bonne relation avec Digicel et nous avons, donc ça s'appelle Haitian Radio Star. Donc on essaye de chercher la prochaine star, donc la star de la radio haïtienne.
Donc c'est donc le concours, donc le gagnant va gagner donc un an, donc une émission une fois par semaine pendant un an sur Scoop FM et $5,000, donc $5,000 américains, une prime de $5,000 américains. Donc c'est assez facile d'accès, il faut aller sur haitianradiostar.com et ça leur soumettra un enregistrement, donc un fichier MP3 de 5 à 15 minutes, donc d'une émission, donc si on préfère la religion, donc parler de religion, si on préfère le sport, le talk show de politique, donc quelle que soit l'émission, si vous pensez que vous serez la prochaine star de la radio haïtienne, donc c'est la chose à faire, allez sur le site internet et tentez votre chance. C'est le moment pour nous suivre page météo journal là, collaboratrice moins Slène Séjour. En suivant. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la dernière sortie bulletin météo pour semaine nan, qui j'ai une température qui présente bon côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a changé sur toute l'île pays d'Haïti entre 24 et 20 degrés. Température dans l'IPAP montée qui était 24 degrés et l'IPAP descend qui était 20 degrés. Différence de température nous pour Assuéa, c'est 4 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assuéa, c'est Okaye qui a 24 degrés. Zone qui a fait beau, c'est Jérémy Jacmel qui a 23 degrés. Miragouane, Gonaïvien qui a 21 degrés et puis Fort Liberté, Port de Paix, Cap-Haïtien qui a 21 degrés. Zone de température là à moins élevé pour Assuéa, c'est Inche qui a fait bon à 20 degrés. Pour Port-au-Prince même, température là 21 degrés, la fait bon, n'a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince, n'a une légère brise qui a pris direction est-nord-est à une vitesse 10 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave, zone côtière sud. N'a dit que bien la mer peut agiter, n'a dit pour yo prudent quand même. Jeudi le soleil a levé à 5h38, li couché à 6h04. Fait que nous avons gagné 626 minutes d'ensoleillement. Je dis, nous avons gagné même quantité de minutes d'ensoleillement ailleurs, parce que ça, hier, c'était 626 minutes. Là, nous fait total minutes toutes d'ensoleillement pour ce maintenant, les vignes nous à 3125 minutes. Kounia, c'est le moment pour nous reconnaître qu'il y a une condition météorologique présentée dans le pays États-Unis. Partie ouest Floride, il est frappé par une tornade avec gros orage qui a causé un paquet de dégâts matériels. Pour le moment, il n'y a pas encore déclaré aucun victime ni blessé. Proverbe nous pour assurer à l'idée, remet moun ki remet on. Merci tout le monde qui t'a suivi. Dernier sorti bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons un bon week-end sur Télésignal. Merci Slène. Journal arrivé dans bout li pour aujourd'hui. Avant nous aller, mais quelques informations nous t'ai développé pour en dans journal là. Parti haïtien tête calée PHTK dit pas en faveur création et en commission vérification concernant dernière élection. Dirigeant parti a déclaré président privé n'a pas aucune provision légale pour le mettre campé en commission comme ça. Réorganiser le ministère de justice qui n'a pas une loi qui régle le fonctionnement et bataille contre détention préventive prolongée fait partie de priorités ministre de justice là pendant ce temps l'a passé dans tête ministère. Camille Junior Edouard informe tout, le ministère a plus passé 200 millions de gouttes comme dette. Dans l'objectif pour faciliter le cours reprendre dans l'université, l'université de l'État, le syndicat personnel administratif a annoncé qu'il a campé sous le mouvement grève qui était entamé depuis le 18 janvier 2016 passé, qui visait l'intégration dans le conseil universitaire avec plus bonnes conditions de travail. Merci à vous-même qui êtes branché. Pas oublier l'information, pas camper sous télésignal parce qu'on a rendez-vous à 9h pour le journal français. Bye bye tout le monde et passez un très bon week-end sous télésignal.